Ami jardinier, bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment semer des tomates. Nous allons voir que c'est pas très compliqué, mais ce que je vous propose en fait, c'est de vous montrer également ce matériel qui sont des mini-serres chauffantes en fait, qui vont vous permettre à coup sûr de réaliser de bons semis et être sûr que ça pousse bien. Alors, pour le semis, c'est relativement simple, il va vous falloir un contenant. Alors là, ça va être un contenant qui va être chauffé, mais un simple contenant peut suffire. Du terreau de semis et des graines de tomates, évidemment, des graines qui sont encore bonnes et dont la date de péremption n'est pas dépassée. Alors concernant ce matériel de semis, donc vous allez le trouver dans différentes boutiques de jardinage, voire éventuellement sur internet, hein. Donc ça se présente sous la forme de petits contenants, comme ça, en fait une petite serre. Donc c'est destiné à être replanté derrière, hein. C'est pas destiné à faire des plants qui vont rester là-dedans. Et vous allez venir les poser une fois semés sur cette résistance qui va marcher de façon électrique. D'accord ? Donc la résistance qu'on voit ici va émettre de la chaleur et va permettre d'avoir une poussée rapide en fait des graines. Et donc on va réussir à coup sûr son semis. Pour le semis, rien de plus simple. Vous allez venir prendre donc vos contenants. Vous voyez que c'est pas bien grand, hein, ça fait une dizaine de centimètres à peu près. Vous allez venir évidemment mettre vos graines à germer, pas trop près. Hein. Et voilà. Donc là, on a notre première rangée de graines. De la même façon, vous allez venir séparer pour connaître la variété. Et ça vous permet de créer plusieurs logements en fait dans la terrine. Voilà. Alors chose importante quand même, le semis que je vous montre ici est destiné en fait à être replanté, donc dans des godets plus tard. Donc le mélange est adapté, c'est pas un mélange très nutritif, c'est surtout un mélange de semis qui va permettre une bonne poussée des graines au départ. Une fois terminé, ne restera plus qu'à identifier en fait les espèces que vous avez plantées. Venir refermer le couvercle et mettre sur la mini-serre chauffante. Et voilà le résultat en fait après quelques jours. Vous voyez qu'il y a de la condensation en fait dans les terrines. C'est lié à la chaleur en fait qui est dégagée dans le socle ici. Et donc d'ici 4 à 5 jours, allez, les graines auront germé. Et nous voilà partis pour une saison de tomates qui devrait bien se passer.